J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, non, mais... je vous retrouve pour une vidéo mais un peu spéciale. Tu fais quoi toi? Bah, filme une vidéo. Non, mais déjà, tu m'as pas laissé ta chaîne, donc tu prends pas la mienne. Hein. À un moment donné, ça va. Elle a craqué cette Olivier ou pas. Hein. Bah, Olivier ou pas non plus. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Sana, de la chaîne Sananas, voilà. Et nous ne sommes pas chez nous, on est à l'hôtel. Hein. Le petit PS. Voilà, les gens tout nus sur le mur. C'est pas nous. C'est pas nous qu'on a décidé. Non, on n'est pas au courant. Il y a des nus partout dans l'hôtel. Partout, everywhere. J'ai pas compris quand je suis arrivée. Je croyais que c'était que dans ta chambre, moi. Non, c'est partout. Non mais genre des... Nu, on voit tout. Nu. On a décidé il y a quelques temps de faire un swap ensemble parce que, ben voilà, on n'avait jamais rien fait ensemble et, enfin, en collaboration quoi, t'as compris. On n'avait jamais rien fait ensemble. Les tableaux de nus, et on sait que ça va vous faire super plaisir parce que tout le temps on nous dit c'est quand qu'on vous voit ensemble, c'est quand qu'on vous voit ensemble. C'est un swap. C'est maintenant. Un swap. Vous pouvez screener. Et c'est pas un swap comme les autres, ouais. Parce que nous on s'est mis au défi de reproduire le look de quelqu'un. Et en discutant on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux fans de Gossip Girl, yeah. Et donc Sana m'a dit oui, moi je veux trop le dressing de Serena, machin. J'ai dit ok, donc je te fais devenir Serena. Ah, moi je veux trop le mec de Blair. Donc moi je vais devoir devenir Blair Waldorf. Voilà, parce que j'aime trop son style et sa personnalité. C'est mon personnage préféré dans Gossip Girl. Donc voilà, Sana m'a concocté un petit swap. Et on va voir si elle a réussi le défi, si elle va savoir me faire devenir Blair. Et dans une prochaine vidéo, il y aura un get ready en mode transformation. Et Chuck, il est où? Chuck, je l'ai gardé. Non? Chuck? Nanana. Chuck? Et il est où, Chuck? Il est chez moi. Bah, mais t'aurais pu le ramener quand même. T'es pas gentil. Eh, le beurre et l'argent du beurre, non. Hein. T'as le beurre, je garde l'argent du beurre. Non, s'il te plaît, non. On échange. Non. Ça va, ils sont un peu mignons, non? Quand vous allez voir, elle, les emballages qu'elle a fait pour moi. Des trucs de Noël. Mais alors là, si ça n'est pas la Blair Touch, c'est trop beau ça. Ah, toi aussi, toi aussi, t'es chiffon d'avoir fait du ouais. Ah, mais je, ouais. Eh ouais, c'est trop des belles pièces. Oh non, c'est trop beau. Ma soeur voulait la garder. C'est vrai? Je te jure. Oh non, c'est trop beau. Que je l'achète aux États-Unis celle-là. Oh, j'aime trop. J'espère que vous voulez quelque chose. C'est une petite blouse. Mais elle se porte longue du coup. Quoi, bah c'est toi qui vois en fait. Oh non, j'aime trop. Parce qu'avec la tenue que j'ai prise, tu pourras la porter d'une certaine manière. Ouais. Mais quand tu mettras un autre truc en bas, bah tu pourras la porter d'une autre... Quoi? La patrie. Et donc, si tu mets pas ce que je t'ai pris, enfin pour la vie tous les jours, si tu veux la reporter, tu pourras la porter du coup. J'aime trop même avec un petit slim noir, des escarpins et tout, ça passe trop bien. Oh, j'aime trop, merci. Ah non, j'aime trop, c'est trop beau. Dès que je l'ai vu, franchement, plus j'étais avec Audrey. Marshmallow? Ouais. Ah, trop bien. On avait fait les magasins là-bas. Et j'ai vu, j'ai dit ça c'est trop Blair. Ah, trop bien. Alors, deuxième paquet, c'est comme la cerise sur le gâteau. Moi j'aime pas les cerises sur le gâteau. Moi non plus, c'est dégueulasse. Alors pourquoi il a dit ça? C'était pour faire beau. C'est le... Son... The headband. Ouais, les petites boucles d'oreilles, trop belles, j'aime trop les trucs simples comme ça. Blair, elle porte pas de... Ouais, je sais pas si vous verrez, ça veut pas faire le focus. Elles sont trop belles, j'aime trop. Ah, trop beau. T'as le noir. Ouais, putain, j'aime trop. Imposant. J'ai un bonnet, mais il est trop beau. C'est trop Blair, ça. T'aimes? Oui, il est trop beau, j'aime trop. Et tu as le un peu plus... Un peu plus soirée. Ouais. Il est trop beau. J'espère que vous verrez. Bon, de toute façon, je ferai des close-up. Mais oh non, j'aime trop. Il est joli. Hein. Tu l'as eu où? Bah, sur le site, je l'avais acheté aux États-Unis. Ah ouais. Trop bien. Après, peut-être qu'on peut le retrouver ici, je sais pas. J'espère pour vous, parce que vous allez craquer en le voyant, c'est sûr. Il est trop joli. Ah non, il est trop beau. Puis ça passe trop bien avec la blouse. Parce que je vais mettre une là. Hein. Bah, je te voyais plus avec ça, ma pote. Toi qui. Ah ouais. Je t'ai pris un plus sobre quand même. Ouais. Moi, il est trop beau. J'aime trop, moi. J'aime trop. Peu importe ses tenues, elle a toujours une touche colorée. PS, si après ce swap je te vois pas porter ce sac, je te tue, LDR. Bah déjà tu me donnes pas d'ordre. Bah il faut dire que j'aimais bien ce truc. Qu'est-ce qui c'est? Alors je me suis dit, c'est pas un déguisement, elle doit aller reporter après. Oh, il est trop mignon. Il est trop joli. Et il est trop beau. Allez, où la petite... Elle est dedans.
Regardez comme il... Oh non mais j'aime trop le rouge. Il est canon hein. Il est magnifique, c'est un truc de fou. Oh, trop bien. Et Blair, elle a toujours un truc coloré quoi. Jaune, vert, machin. Donc j'aime trop. C'est trop beau. Je me sens, ça y est, je me sens déjà Blair. Ah ouais, j'aime trop. J'aime trop. Non franchement j'aime trop. En plus j'ai pas de petits sacs comme ça, moi j'ai tout le temps des énormes sacs. Ouais. Tu vois. Et quand je vais en soirée ou quoi, bah, je vais arriver avec mon gros sac, on dirait que je reviens de l'école. La boîte à beauté. J'ai essayé d'acheter un maximum de marques qu'on ne trouve pas forcément en France. Il y a la totale. Alors à tes pinceaux. J'écris pas mal à ce point quand même. Non mais je comprenais pas trop. Parce que le R il est collé au O, alors ça fait à l'OS. Si. Si, oui, c'est pas vrai. Si, c'est écrit alors O-R-S. J'ai vraiment besoin de me justifier pour cet achat. Oui, justifie-toi. Non. Qu'est-ce que c'est? Je refuse. Alors, c'est un blush? Non. C'est pas un blush? Non. C'est un illuminateur? Oui. Rose comme ça? Ah, mais c'est le pack. Oh, non, mais d'accord. Non, mais regarde, quand on voit ça comme ça, on se dit, c'est ça le blush. Et en fait, non. En fait, il te faut. C'est des fourbes. En fait, c'est un truc comme ça. Et après, tu l'ouvres. D'accord madame. Stila, je connais pas comme marque. C'est vrai? Moi je connais pas. Tu l'as où? Aux États-Unis. Trop beau. Mais je crois que tu peux les trouver. À l'époque on les trouvait. Je me demande si on les trouvait pas chez Sephora avant. Et ah je ouais? Crois qu'ils ont arrêté. Et wow. Alors c'est pas l'highlighter hyper de ouf genre. Ouais. Celui qu'on a là. Non mais je préfère parce moi que comme Blair, ça. Elle est pas, oui. Elle se maquille pas beaucoup c'est déjà. Clair. Donc elle a le teint hyper naturel et ça justement. Ça va faire un glow. Ouais. Ça va être trop beau. Je suis trop contente et c'est Kitten. C'est petit chaton. La teinte petit chaton si vous la cherchez. Je ne connais pas du tout ce mascara mais en l'achetant en Allemagne, j'ai vu qu'il était élu produit d'année. Yeah, Max Factory. C'est quand je vais partir en Allemagne. Genre tous les produits. Ouais, j'avoue. T'étais pas obligée d'aller jusqu'à là. C'était pour toi. C'était pour rien. Oui. Oui, c'est les brosses que je préfère. Elle a l'air ouf. Ouais. Oh non, j'aime trop. C'est des tout petits picots et ça me fait penser un peu à celle de Benefit là, Roller Lash. Ah tu ouais. Vois, j'aime trop les mascaras comme ça, je préfère. C'est beaucoup plus simple pour appliquer donc t'as trop bien choisi pour le coup. Ça va. C'est un sans faute. Ensuite, la marque américaine Blair et parfois Rose Nude. Hey, j'ai écrit la marque américaine. Ah, double V. La marque américaine. Voilà. Excuse me. Voilà. Blair et parfois Rose Nude ou 3 petits points. Et du coup, il y en a un autre. D'accord. C'est quoi comme marque? Dozen Colors. Dozen, je connais pas. I'm so sorry. Je pars. Non, mais je suis désolée. Mais Dose of Color. Yes, bah maintenant je connais. Ça va. Mais ils sont vachement connus pour leur rouge à lèvres hyper mat, liquide mat. Ok. Et du coup, quand j'étais là-bas, j'ai bien aimé celui-là. J'aime trop la couleur, elle est trop belle. C'est tellement Blair. Je vais le verrer. Il est trop beau, j'aime trop. En plus, il a l'air. C'est pas assez. Ceux-là, je les connais pas. Moi, j'ai les mats, liquide mat, et ils sont trop trop bien. Mais ceux-là, tu. Il a pas l'air assez chiant, donc tu nous diras. Cool. Ou pêche. Oui. Pêche. Whipped fruité. Nyx. J'ai jamais testé ça. J'ai trop hâte. J'avais envie de lui faire une petite commande en plus. C'est parfait. C'est parfait. C'est léger. Ah ouais. C'est en mode baume un c'est peu. Non, c'est pas baume, mais la texture, elle est. C'est pas hyper mat déjà. Ouais. C'est pas du tout le truc mat. Tu vas voir, c'est assez particulier. C'est trop mignon. C'est tout petit. Oui. Ouble. Oh non, c'est trop marrant. Tu vois, la texture, elle est. Mais on dirait. Je sais pas si tu vois. On dirait du smoothie. Mais oui. Ça fait genre la fraise. Bon, je ça fait un peu chantilly, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé whipped. C'est trop bien. Non, elle est trop belle la couleur en plus, elle est magnifique hein. Mais tu vois, je la voyais plus pêche à travers le truc. Ah ouais, moi j'aime bien comme ça. Ouais, non mais elle est jolie aussi. Ouais, c'est vrai qu'elle est plus rose froid. Ouais. Elle est plus froide en fait, en vrai. J'adore. Elle n'en met pas beaucoup mais obligée de t'en mettre un, c'est l'un de mes favoris. Qu'est-ce que c'est? Waterproof. Oui. Tu l'as jamais testé celui-là? Non. Franchement, c'est. Oh, trop bien, c'est la énorme chez Urban Decay. C'est l'un de mes préférés. J'ai hésité à te mettre celui-là ou le The Balm. Ouais. Il y en a chez L'Oréal aussi qui est bien, mais le Make Up For Her est vraiment trop trop bien. Le Urban Decay. Le Urban Decay. J'ai dit quoi, le Make Up For Her? Trop bien, mais oui, c'est toi qui en parle tout le temps. Et Audrey aussi, je crois, Audrey Marshmallow. Tout le temps en parle et tout, ça me donnait trop envie de le tester. Il est trop bien. Il tient super bien. Oui, il tient bien de partout. Mon grand précieux. All in one, aucune excuse, tu as tout. Je la voulais aussi.
J'ai mal à la Non, c'est moi, j'ai le mal au dieu. Ouais. C'est une palette Pro To Go palette de chez L'Oracle. Et je n'ai jamais rien testé de chez L'Oracle. Donc je suis trop contente. Ah, mais c'est de la bombe leur part. Ah, c'est trop bien. De la bombe. Mais ça veut dire qu'il y a quoi dedans pour les yeux et pour le teint? Je te laisse découvrir. En plus, déjà, rien que ça, elle est petite. Et moi qui suis tout le temps en voyage. C'est trop bien, je suis trop contente. Oh non, elle est trop jolie. Alors je trouvais que c'était carrément les couleurs du blair au niveau des yeux avec rien d'autre. Attends, comment que ça marche? Mais en fait, tu peux la faire de différentes façons. Et ça c'est... Oh, c'est trop beau. Bon, ben on est désolé, mais il n'y avait plus de batterie. Du coup, on a profité pour aller manger. Alors on avait faim. Il se pourrait qu'on ait plus les mêmes tranches. Ça a un peu changé, mais on avait peut-être pris un kilo entre temps aussi. Oui. Entre les frites... Non, chut! Quelles frites? Je sais pas. La salade, tu veux dire? Ah oui. La salade frites, ça s'appelle. Ouais. C'est la marque frites de salade. Voilà, verte. Et le fraisier, tu le remplaces par quoi? C'était une salade de fruits. La crème autour, nous on n'avait pas demandé ça. Ouais. Donc j'ai rien dit. Enfin voilà, donc retour à ma petite palette. Donc j'étais en train de découvrir la L'Oracle To Go Pro. Et elle est juste magnifique. Donc bon, je vous ferai des close-up, mais je suis trop contente. Donc merci, t'as trop bien choisi. Parce que je n'avais jamais testé cette marque. C'est le truc que t'emportes partout. Mais oui, c'est ça, c'est surtout ça en plus. En plus je me suis dit, dans la vraie vie, toi tu te maquilles pas des masses. Donc je me suis dit, les couleurs c'est souvent celles que t'as bien utilisées. J'adore. On en a la preuve. Oui, c'est exactement ce que je porte aujourd'hui. Donc voilà. Ça, en voyage, d'habitude je me trimballe toujours avec trois palettes pour qu'il y ait des irisés, des mats et les trucs de teint. Là il y a tout dans la même palette. Ensuite, du haut des marches du lycée. Oh, c'est une jupe. Bah oui. Oh non, je craque, elle est trop belle. Elle est pas trop belle. Oh non, elle est trop belle. Oh non. J'hésite à me la commander, je dis punaise en fait. Oh non. Je vais racheter la même chose quoi. Elle est trop belle. C'est trop blaire en plus. Non mais, carrément. Regardez-moi cette merveille. Elle sort, allez. J'ai trop hâte de te voir avec. Oh non, elle est trop... En plus j'adore les trucs patineuses comme ça, j'aime trop. Moi aussi. Je trouve ça, je trouve que c'est les plus jolies jupes. Oh, ah merci. Je suis trop contente en vrai. Elle vient de chez New Look. Blair Soft ou Blair Rock Sexy, à toi de choisir. J'essaie de réfléchir à quoi ça peut... Qu'est-ce que ça peut être? Un truc que tu peux changer au gré des jours et de tes envies et accorder à ta tenue. Les et cheveux. J'ai dit changer de couleur. Les cheveux, on peut pas changer de couleur, madame. Au gré des jours. Oui. Avant de mettre une perruque, ouais. Oui. Mais ça peut être une perruque. Les ongles. Les ongles. Donc ça. Le rouge, le noir, le blanc, les paillettes, les machins. Trop trop bien. Pour être honnête, quand j'ai enfin reçu la commande, j'ai eu du mal à m'en séparer. Sniff sniff. Je te jure. C'est la vie qui repart en à cours. Moi. Tu mets... Attends. C'est une effet cap. C'est un manteau effet cap. Oh, oui. Attends. Alors attends. Tu mets un bras. Merci maman. Yo. Ah non, c'est trop beau ça. C'est joli hein, j'aime trop. C'est blair en plus. Alors regardez les petites poches comme ça. Et en fait j'ai trop imaginé avec la chemise là qui va ressortir, le petit truc blanc. Oh j'aime trop, en plus elle est longue, elle m'arrive à peu près au genou. Elle est trop originale en fait. J'aime ça que j'aime bien, tu sais c'est un basique. Ouais. Mais. Bah, du coup, je me suis dit, est-ce qu'elle va la porter? Parce que moi, je sais que je la porterai. Ah oui, si, carrément. J'aime trop, moi, les trucs comme ça un peu. Parce que Blair sans belles choses, ça n'existe pas. Ouais. Et là, j'ai trop hésité. Tu vas voir. J'hésite entre deux trucs. Oh, elles sont trop belles. J'en ai pas allé comme ça. Logiquement, le talon, il est supportable. Non, ça va. Moi, je les trouve. Non, ça va. Il est pas hyper haut. Franchement, ça va. Regardez, c'est trop beau, j'aime trop, c'est lacé et tout. Et voilà, ma petite chaussure, c'est à moi. C'est pas à toi. C'est à moi, j'avais dit. Le pompon. Le pompon, ça n'a ce qui l'intéresse, c'est le pompon. Oui. Voilà. C'est juste pour ça que je l'ai acheté. Yay, je vais être Blair. Je vais être Blair. Je trouve qu'on a fait des bons, des bons choix. On a choisi des bons looks. Ouais. Carrément. Franchement, ça se rapproche de leur style, quoi, Blair et à Serena. Donc, je pense que là, on est un peu comme ça. On a la pression de savoir si on va réussir le get the look. Parce que
Ça va être chaud, hein. Et bah, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne, d'être repassée. Et bah, merci à toi. Si vous voulez voir ce que moi je lui ai envoyé et ce qu'elle va en faire surtout, et bah, n'hésitez pas à cliquer sur sa tête, voilà, et à vous abonner à sa chaîne. Tout ça sera dans la barre d'infos, donc allez-y, voilà. Allez, rigolote aussi. On fait partie de la team un peu... Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Si elle fait, je ne sais pas. Je vous fais des gros bisous quand même. Et puis, on se dit à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao. Ça va pas, non, Xana? Oui. Qu'est-ce que tu fais?